Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va tester Ochako. Donc, on va, vous voyez, il y a les quêtes qui ne sont pas encore faites. On va aller les faire. Ça fait quand même quelques pièces à récupérer assez facilement. Donc, on y va tout de suite. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre ton plus gros pouce bleu et à t'abonner. C'est surtout quelque chose qui va me faire plaisir pour moi et ça va montrer en fait que bah, tu kiffes mes vidéos. Et donc c'est parti. Donc là on a un combo basique à faire. On peut le voir déjà affiché à l'écran. Juste 4 punches. Donc 1, 2, 3, 4. Ok. Donc mission complétée. Et on voit que la jauge, qu'elle a une petite jauge de stamina en dessous. Assez sympa. Ok. Donc on va refaire quelques punches pour voir entièrement si. Ok. C'est plutôt pas mal, hein. J'aime beaucoup. Par contre, je dois avouer que son skin, c'est pas mon délire. J'aimerais bien qu'on puisse en fait lui mettre le skin de sa tenue face à Bakugo. Honnêtement, ça, j'aimerais bien que ça puisse être possible. Je ne sais pas du tout si dans le jeu c'est prévu. J'ai vu qu'il y avait les habits d'Izuku version version première A, seconde A, pardon. J'aimerais bien voir ouais, si ça peut s'acheter, ça coûte cher quand même, ça me fait un peu mal d'acheter, dépenser des pièces là-dedans, mais bon. Donc là, on va devoir utiliser cette capacité, et là, 1, 2, 3, 4. Ok, donc par contre, ça dépend de la jauge qu'on a réussi à accumuler avant, sinon après, on retombe. Ok, assez intéressant. En Unlimited Power, est-ce que... Ouais, on a quand même besoin de taper pour recharger la jauge. Ok, on va vite la recharger pour tester un petit peu tout ça. Ok. Bon, en la rechargeant, on va rester en mode normal. Hop, on attend qu'ils se remettent en place. Là, on va faire le combo qu'on nous demande de faire. On va tester ça. Donc 1, 2, 3, 4. On enchaîne là. Mince, je me suis trompé de technique. Ok. Bon, ça fait quand même un petit combo assez sympa. Ça fait 10 hits. Ok. Donc là, j'attends un petit peu. Hop. Ok. Donc 1, 2, 3. 4, SP2 et SP1. Ok. Assez sympa. Ok. Donc là, on va envoyer la SP2 enchaînée avec un truc où on s'envole et la SP1 pour continuer. Donc SP2, hop, hop. Ok. Donc on peut faire aggro l'ennemi en l'air. Donc par contre, ouais, si on veut descendre. La jauge continue de s'utiliser, donc ça faut faire attention un petit peu. Ça peut être décisif sur un match en PVP. Ok. Donc là, on va aller le taper pour augmenter la jauge et faire le combo qu'on nous montre là-haut. Hop là. Hop là, hop là, hop là. On verra l'aspect un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors, viens là, s'il te plaît. Donc la phase de run qu'on a. Ok, stylé l'animation, j'aime beaucoup. Ils se sont vraiment amusés à faire un truc très 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 propre. Donc on commence directement comme ça, météore. Ok, 1, 2, 3, 4, et mince, j'en ai fait. Donc c'est que 3, là il n'y a que 3 coups à faire. Je vais réessayer. Hop là, donc là on jauge, on récupère un petit peu de la jauge pour au moins se mettre dans les airs. Elle tape fort quand même, ceci dit. Elle tape très fort. Ok. Donc là, on commence. Hop. Ok, par contre, faut pas spam click. Sinon, c'est un peu pourri. J'attends. Donc, immediate power. Ok. Ok, faut vraiment pas spam click. C'est un peu un défaut que j'ai. On va réessayer ça. Hop. Météorite. 1, 2, 3. Et mince. Ok. On va essayer de la refaire. On termine. De toute façon, c'est pour l'émission aussi. Hop là. Hop là. Mince. C'est un réflexe. J'ai trop envie d'utiliser toutes les compétences. Hop. 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 1, 2, 3. Et mince. Ça fait un quatrième. Et c'est assez chaud quand même si on veut vraiment faire ce combo en jeu. Faut vraiment compter au combo près. C'est pas le genre de combo qui me plaise vraiment. Hop là, on a réussi. Ok. Et donc là, on va pouvoir faire l'aspect. Donc on va voir ce que ça donne. C'est parti. Go. Ok. Ça lui envoie un gros smash dans la tronche. Météore, truc de comète là. Ok.
Donc assez sympa aussi l'aspect. Donc on vient de finir toutes les missions en rapport avec ce personnage. Vraiment assez intéressant. J'aimerais bien le voir se débrouiller en game PVP auto, parce que de ce que j'ai compris, c'est le monstre à avoir en PVP auto. Pour le moment, elle n'est que rang A dans ma boîte, dans ma box. Donc voilà. Mais dans tous les cas, on va tous les faire monter niveau 80. On va essayer de les faire tous passer rang S aussi, au minimum. Elle finira SS dans tous les cas. Je ferai tout pour en tout cas. Et j'espère que la vidéo t'a plu. Et n'hésite pas donc à remettre un like si t'as oublié, si tu l'as pas encore fait depuis le début de la vidéo. Et n'oublie pas, je suis un joueur random, tout comme toi. Allez, à plus.